Hi there. It is barely few days to the official opening of the 2019 edition of Promote. On this serving of Mission Promote, we offer to focus on thematic operatives, which is one of the major points of this rendezvous. Commençons par le point des préparatifs. À ce jour, plusieurs centaines d'entreprises ont déjà réservé leur stand. Parmi elles, le GIC Afates International, spécialisé dans la maroquinerie et autres accessoires de décoration dans son atelier de Douala. Jacqueline Tientieu fait le point des articles qu'elle ira exposer dans ce salon international. Elle vend le Made in Cameroun. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la production de gadgets et la production de gadgets à travers le matériel local. Donc à Promote, nous aurons des produits made in Cameroun, par exemple celui-ci. Le pan est un pan qui nous vient du Cameroun. Le simili cuir est un cuir qui nous vient du Cameroun. Le raffia est un raffia qui nous vient du Cameroun. Les apéros thématiques sont un moment privilégié du salon international Promote. À la cellule d'appui conseil au PME, William Talek rassure que tout est prêt. Un apéro thématique dans Promote, c'est un moment de rencontre, d'échange et de réseautage pour des cadres et des dirigeants d'entreprise. C'est un moment organisé en partenariat avec l'Agence de promotion des investissements et la Fondation internationale Interprogress, organisateur de Promote. Les apéros thématiques servent à présenter un secteur d'activité, comprendre les opportunités dans ce secteur, comprendre les difficultés qui s'y trouvent et aussi la possibilité de faire des affaires entre entreprises qui y prennent part. La participation aux apéros thématiques est ouverte à tout le monde, exposant comme visiteur. Les inscriptions sont d'ailleurs déjà ouvertes. Il vous suffit de prendre attache avec l'organisateur de Promote. La participation coûte 10 000 francs par personne et par apéro. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à une heure avant le début de chaque apéro thématique. Il faut préciser que les apéros thématiques se déroulent entre 12h et 13h30 tous les jours dans Promote. Cette année encore, l'organisation compte mobiliser les meilleurs experts pour aborder des domaines pratiques de l'économie. C'est à Moussa Mendongo, dans l'arrondissement de Yaoundé 4e, que Futsa, spécialisé de l'agroalimentaire, s'est installé. Créée il y a une dizaine d'années, la Futsa est une PME qui a acquis sa notoriété dans la transformation du soja, des arachides et bien d'autres. Pour Thierry Yemen, le plus grand espace de visibilité s'est Promote. Et à ce rendez-vous, l'un des moments attendus, c'est les apéros thématiques. Je n'ai jamais raté une édition du salon Promote. Et je pense que c'est l'une des grandes plateformes sur le plan national et même sous-régional qui valorise, qui nous a permis d'être aujourd'hui ce que nous sommes. Les apéros thématiques, vous savez, Promote, c'est une multitude de choses à la fois, surtout pour ceux qui comprennent vers où on veut aller. Ce n'est pas seulement la vente. Vous savez, la recherche des partenaires, des financements, la manière avec laquelle certaines entreprises présentent même leur savoir-faire, nous permet de pouvoir créer des choses dont nous avons participé. Et cette année, par exemple, au-delà de ce que Promote, nous allons au niveau du Fonds national de l'emploi, que ce soit un secteur de recrutement de nouvelles personnes parce que nous sommes en forte croissance et nous voulons recruter des personnes qui viennent au niveau de la bourse de l'emploi à travers le FNE. Rendez-vous à Dompré du 16 au 25 février pour ce grand moment de réseautage au salon des rencontres des acteurs des secteurs économiques clés de l'Afrique centrale. Are you a multinational, an SME, a GIC, a public, parapublic, or even private company? You can participate in thematic operatives at Promote 2019. This is where we draw the curtains on Mission Promote for today. See you soon for another exciting edition.